Oh mon Dieu! Ça, c'est le premier symptôme. Ça veut dire que tu as été téléporté dans un vaisseau spatial. Je t'en prie, épargne-nous ça. Ne vous faites pas de soucis, Val. J'ai juste un peu mal à la tête, c'est tout. Et je crois que je me suis faite piquer. Oh mon Dieu! C'est la marque de l'espace! Voilà le symptôme numéro 2. C'est peut-être de l'urticaire. Tu es sûre que ça va aller? Ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle. Il n'y a plus de soucis à se faire, alors soyez sage, à tout à l'heure. Kay, ça ne te rappelle rien. J'ai vu des lumières dans le ciel. C'est ici que ça s'est passé, Val. Mais que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Mais ça recommence, on dirait. Oh non! Fichons, comme d'ici. Attends, je vais tout enregistrer. Ils vont voir si c'est des bobards. Oh non, c'est pas du Spielberg, en tout cas. Bon, je sais pas que ça fait. Qu'en pensez-vous, Johnny? Vous me croyez, n'est-ce pas? Comme tu le sais, Kay, je crois à pas mal de choses que d'autres taxent de paranormal. Mais les petits hommes verts... Ouais, bon, il ne faut pas exagérer. De toute façon, ils ne sont pas verts, ils sont blancs. Glaciers. Vous, au moins, vous me croyez, Quick? Enfin, comment expliquez-vous ces lumières étranges? Eh bien, un avion, peut-être, ou un reflet de lumière sur l'eau. Oubliez ça, les filles, ça craint.